Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. On reproche parfois à l'Église le fait des croisades. Mais qu'ont été les croisades? Pour en juger, il faut commencer par se rappeler que celles-ci ont été lancées vers des terres qui, avant d'être musulmanes, étaient chrétiennes. En effet, que ce soit l'Espagne ou la Terre Sainte, ces terres appartenaient à l'Empire romain. Et ce n'est pas au moyen de la guerre que les chrétiens les ont conquises, mais par le témoignage des martyrs. Durant 3 siècles, les chrétiens, citoyens de l'Empire romain, ont été livrés à la dent des lions dans les cirques pour y être dévorés en spectacle. Et c'est devant le spectacle de ces chrétiens qui n'avaient aucune haine contre leurs bourreaux, mais qui étaient même heureux de souffrir pour rendre témoignage à Jésus-Christ, que peu à peu les Romains se sont demandé « Mais d'où vient cette force des chrétiens et cette joie ?» Et c'est ainsi que peu à peu, ils sont devenus chrétiens. Lorsqu'au 7e siècle, les armées d'Allah ont déferlé, en quelques décennies, envahi depuis la Mecque jusqu'à Poitiers, empêchant là où ils se sont installés les chrétiens de vivre librement, mais devant soit assumer le statut de dhimmi, c'est-à-dire de citoyens de seconde zone, avec des droits civiques restreints, avec des humiliations publiques constantes et des devoirs, notamment celui de payer un impôt spécial, d'être autrement dit racketté au seul titre d'être chrétien. Lorsque les chrétiens d'Occident ont vu donc leurs frères d'Orient être soumis soit à ce statut de dhimmi, soit à l'apostasie, c'est-à-dire à perdre leur vie éternelle pour sauver leur vie en embrassant la profession de foi musulmane, soit donc aussi à la mort, eh bien les chrétiens d'Occident se sont dit « On ne peut pas rester ici les bras croisés. Il nous faut aller délivrer nos frères de ce fléau qu'est l'islam. » Lorsque les Américains sont venus en 1942 nous délivrer du nazisme, qui s'en est plaint? Les croisades n'ont pas été une entreprise offensive, mais défensive, car ces terres étaient chrétiennes.